Voilà, nous avons retrouvé Carneis avec grand bonheur. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas pu être là la semaine dernière, j'avais établi les contextes des deux œuvres qui font mon propos de cette année. Mais aujourd'hui, je me centre uniquement sur Le dernier jour d'un condamné. J'en vois pas mal sur les tables, ça veut dire que beaucoup l'auront lu. Je vais donc essayer de, d'abord d'en retracer un peu l'histoire, parce que le récit de sa publication répond à une question qui m'avait été posée la fois dernière, à savoir de l'inscription de ce livre dans un mouvement abolitionniste. Et nous verrons que c'est plus complexe que cela. Et après, nous plongerons dans le texte, à la fois pour voir comment il est écrit, et surtout, et ce sera l'essentiel de mon exposé, les enjeux de ce livre. Alors vous allez me dire, eh ben, c'est lutter contre la peine de mort. Oui, mais je crois qu'on peut préciser un certain nombre de choses. C'est surtout dans cette troisième étape que, très volontairement, je ferai de nombreuses citations, parce qu'il y a une énergie du texte hugolien qu'il est bon, je crois, de faire entendre, comme pour tous les textes d'ailleurs. Alors, trois étapes dans la publication du dernier jour d'un condamné. La première étape, 3 février 1829. Et c'est un livre étonnant qui paraît, puisqu'il n'y a pas de nom d'auteur et qu'il n'y a pas une longue préface, celle que vous avez là, n'existait pas dans la première édition. Il n'y avait que quelques lignes qui sont réintroduites ensuite par Hugo dans la grande préface dont je parlerai. Mais voilà, un livre, j'allais dire, tout nu, avec un titre, « Le dernier jour d'un condamné », c'est quelques lignes. Il y a deux manières de se rendre compte de l'existence de ce livre. Où il y a eu en effet une liasse de papiers jaunes et inégaux sur lesquels on a trouvé enregistrées une à une les dernières pensées d'un misérable. Où il s'est rencontré un homme, un rêveur, occupé à observer la nature au profit de l'art, un philosophe, un poète, que sais-je, dont cette idée a été la fantaisie, qui l'a prise, ou plutôt s'est laissé prendre par elle, et n'a pu s'en débarrasser qu'en la jetant dans un livre. De ces deux explications, le lecteur choisira celle qu'il voudra. Alors, vous voyez, ça a l'air comme ça très, très léger. En fait, ça va très loin. Oui, peut-être ces pages ont-elles existé ? Un condamné à mort a fait cela ? Ou bien, et fantaisie ici n'est pas pris dans le sens de caprice, hein, mais dans le sens de travail de l'imagination, le sens étymologique, le sens grec. Un poète dont cette idée a été la fantaisie, qui l'a prise ou plutôt s'est laissé prendre par elle. Autrement dit, une sorte d'obsession qui a fait que l'auteur anonyme de ce texte n'a pas pu ne pas écrire. Alors, quand je dis auteur anonyme, les amis de Hugo savaient qu'il écrivait cela. Le grand public ne l'a su que bien après, je dirais, 3 ans après, vous allez voir pourquoi. Mais essayez de vous imaginer, hein, 1829, nous sommes à la fin de la Restauration, ce livre qui commence par « Condamné à mort ». Et c'est tout. Et avant, il n'y a eu que le titre et ses quelques lignes. Alors, la réception de ce tout premier jet du livre a été extrêmement mouvementée. Même chez ceux qui admirent l'écriture, on trouve quasiment obscène d'avoir eu l'idée d'écrire cela. Et c'est pour répondre à ces très nombreux détracteurs que, très peu de temps après, le 28 février, vous voyez, donc 25 jours après, Hugo publie une préface sous forme d'une petite pièce de théâtre, légère, drôle. Il l'intitule « Une comédie à propos d'une tragédie », sous-titre « Une conversation de salon à propos du livre ». Il met en scène donc, le titre le dit, une conversation de salon, des gens qui discutent
de ce texte absolument insensé d'un certain monsieur Hugo, mais vous savez, il a déjà fait des choses bizarres. Il a écrit quelque chose qui se passe en Islande, quelqu'un qui buvait du sang. Pouh, il s'intéresse à des sujets macabres. C'est extrêmement enlevé et dans toutes les éditions modernes, vous avez ce texte. Alors vous allez me dire, Hugo prend à la légère les critiques. Non, parce que Hugo manie assez la rhétorique et l'ironie en particulier pour procéder par antiphrase et suggérer au lecteur, derrière cette mauvaise lecture de son texte, suggérer quelle devrait être la bonne lecture. Par exemple, au lieu de rattacher l'œuvre à l'auteur, regardez le texte tel qu'il est. Autrement dit, il faut regarder cette... ce texte qui est un texte complètement de circonstance et qu'à la limite, dont à la limite le dernier jour d'un condamné peut se, fort bien se passer, il faut le lire comme un texte de circonstance très lié à l'idéologie de l'époque, complètement satirique, mais qui, je le répète, dit en creux comment on doit lire ce livre, et c'est ce qu'on va essayer de faire, et dit aussi le type de réaction, parce que Hugo n'invente rien du genre d'argument qui a pu être déployé contre son livre. En revanche, 3 ans après, le 15 mars 1832, et 32, on est après la Révolution de Juillet qui a amené les Trois Glorieuses qui ont amené à ce changement de régime, on est après la bataille d'Hernani, qui a assis le romantisme triomphant avec Hugo à sa tête. Et puis, on a assisté au début de la monarchie de Juillet à un renforcement très net du mouvement en faveur de l'abolition de la peine de mort. À propos de la condamnation qui se discute à ce moment-là de ministres de Charles X, donc du régime qui est tombé, et ces ministres sont accusés éventuellement de trahison, et il y a un grand mouvement qui se dessine pour leur éviter à eux la peine de mort. Mais du coup, c'est donc de manière extrêmement circonstancielle, mais du coup, les partisans de l'abolition se glissent dans ce créneau ouvert pour dire non, il ne s'agit pas simplement d'abolir la peine de mort en matière politique pour des raisons très conjoncturelles, à savoir qu'il faut sauver la tête de quelques personnes, il s'agit de discuter sur le fond de l'abolition de la peine de mort. Donc il est vrai qu'en 31, le mouvement s'est radicalisé. Et dans le même temps, et je vais parler rapidement de cette préface, mais je voudrais d'abord expliquer que exactement en même temps, Hugo publie le récit qui s'appelle Claude Gueux et que très souvent l'on a dans le même volume que Le dernier jour d'un condamné et ses diverses préfaces. Et je vais dire d'abord un mot de Claude Gueux pour vous inciter aussi à le lire. Hein, parce que la Claude Gueux, d'une part, qui est publiée dans un autre volume, et la grande préface, c'est pour distinguer des 10 petites lignes dont je vais parler ensuite, sont deux faces d'un même acte de parole. Claude Gueux, on n'y croit pas, mais c'est le nom réel de quelqu'un qui a existé, dont on trouve trace dans les journaux de l'époque, je suis allée vérifier, et qui, à la suite du vol d'un pain, pour nourrir ses neveux, ses 6, je crois, neveux et nièces qui mouraient de faim, se retrouve à la centrale de Clairvaux, où, pour des raisons qui s'explique dans le récit, il est pris en grippe par le directeur qui lui inflige brimade sur brimade. Et Claude Gueux, qui est un homme droit, décide qu'il ne va pas se laisser faire et décide que cet homme qui le persécute mérite d'être tué. Et il en avertit les autres prisonniers par rapport auquel il a vraiment une aura très grande, parce que c'est quelqu'un d'une extrêmement grande dignité,
Vous allez me dire, là, c'est Hugo qui raconte. Non, non, ce sont les journaux de l'époque qui racontent ce qui se dit au procès. Parce que Claude Gueux tue, effectivement, devant tout le monde, le directeur. Évidemment, il est arrêté, et enfin, il n'est pas arrêté, il était déjà à la centrale, condamné à mort. Mais le procès qui se passe à Troyes, en 31, a une très grande répercussion parce que viennent témoigner au procès un certain nombre de gens de Clairvaux qui témoignent aussi de ce qu'était ce directeur et qui témoignent en faveur de Claude Gueux. Il n'empêche que l'on sait qu'ayant tué le directeur de la centrale, il sera exécuté. Et Claude Gueux a une attitude extrêmement noble pendant le procès et ensuite pendant l'attente de son exécution. Hugo apprend toute cette affaire qui le passionne. Et il décide d'écrire le récit, tout simplement un récit. Le dernier jour d'un condamné, et je vais y venir, est une fiction. Claude Gueux est un récit. Il met en forme le récit de ce qu'il a pu lire dans les journaux, dans la Gazette de Troyes, et aussi de témoins directs, en particulier les religieuses qui ont accompagné Claude Gueux pendant sa détention avant l'exécution. Il leur demande de lui dire un peu qui était Claude Gueux, et il compose ce récit que je vous incite vraiment à lire, qui est extrêmement fort et que Hugo fait suivre d'un plaidoyer extrêmement vibrant contre la peine de mort et pour l'instruction, en disant la fameuse phrase ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Et il imagine le discours qu'un député devrait faire à la Chambre pour obtenir cette abolition. Alors, vous voyez que se met en place, là, dans ces années 30-31-32, un mouvement, j'allais dire, très net de Hugo en faveur de l'abolition de la peine de mort. Et c'est dans ce cadre-là que, reprenant le dernier jour d'un condamné, il va l'accompagner de cette grande préface qui est publiée le même mois que Claude Gueux. Cette grande préface qui définitivement inscrit le dernier jour d'un condamné dans cette lutte pour l'abolition, ce qu'il n'était pas explicitement 3 ans auparavant. Alors, très rapidement, parce qu'il est temps que nous en venions au texte après, cette grande préface, il établit d'abord les circonstances, c'est-à-dire ce que je viens de vous expliquer, de l'intensification de la lutte contre la peine de mort, puis un plaidoyer qui commence par reprendre, pour les démolir, tous les arguments des partisans de la peine de mort. Et ce qu'il y a d'intéressant, mais ça c'est très Hugo, il le fera toujours, c'est l'alternance dans ce texte, cette préface, d'idées générales et d'exemples précis. Parce que Hugo s'est informé aussi d'un certain nombre d'exécutions qui se sont très mal passées, et puis aussi d'un certain nombre de verdicts de peine capitale qui étaient notoirement injustes. Donc il prend, en commentant à chaque fois le lieu, la date, un certain nombre d'exemples. Et donc il démonte les arguments pour la peine de mort, et bien sûr, il propose ensuite, sur cette abolition, une réforme de ce qu'on appelle à l'époque les pénalités. C'est-à-dire qu'il dit bien, bon, il ne suffit pas de supprimer la peine de mort, il faut réfléchir aussi aux autres peines. On a supprimé, je vous l'avais dit, les tortures, etc., mais il reste le type de prison, il reste le bagne, il reste... Bon. Donc, il propose aussi une réforme des pénalités. Et vous lirez ce texte, vous verrez que la grande préface, exactement comme Claude Gueux et la seconde partie de Claude Gueux, sont en même temps un rappel de la responsabilité collective dans cette affaire de la peine de mort et des pénalités.
C'est-à-dire qu'il en appelle véritablement à l'opinion publique, à la morale publique dans cette affaire de l'abolition de la peine de mort. Alors, vous voyez que c'est en 1832 que le dernier jour d'un condamné tel que vous l'avez dans les éditions modernes se constitue avec donc, la grande préface, le texte, et puis très souvent une comédie à propos d'une tragédie, et très souvent dans le même volume Claude Gueux, ce qui fait sens. Hein, mais qui n'empêche pas que l'on se représente, et c'est ce que l'on va faire à partir de maintenant, que l'on se représente ce texte dans sa nudité, ce texte initial, le texte du dernier jour d'un condamné. Et je vous ai dit tout à l'heure ce début abrupt, et si vous voulez bien, je vous lis maintenant la première page. Je rappelle qu'avant cela, on n'a rien, on a un titre et cinq lignes. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est au fer dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamné à mort. Vous voyez, démarrage coup de poing, où il n'y a aucune, et j'y reviendrai, aucune indication sur qui est ce « je ». Nous sommes d'emblée, je ne dis même pas face, mais dans le « je », alors systématiquement ce sera « je », hein, du condamné. Et vous voyez qu'une espèce de poigne de fer, lui il dit « mon esprit est, est prisonnier », eh bien le texte nous empoigne avec vraiment hein, une main de fer. Voilà, c'est là qu'on se met et qu'on va être. Voilà cet homme qui sait qu'il va mourir. Suivent 49 chapitres, mais de longueur très inégale. Certains ont 5 lignes, d'autres ont 10 pages. Dont un sur lequel je reviendrai dans les enjeux, le 40, qui a été ajouté in extremis. On le voit quand on regarde les manuscrits. Et il y en a un qui est donné comme manquant. On n'a pas retrouvé les pages. On verra aussi pourquoi. Et puis, faisant aussi partie du texte, une note qui donne un fac-similé, une chanson en argot, celle que le condamné est censé avoir entendue depuis sa cellule de Bicêtre, avec la traduction. Autrement dit, une note qui va dans le sens du document réel que l'on aurait trouvé, on aurait trouvé des liasses, et puis ce document où on a une chanson en argot à peu près incompréhensible, y compris pour les gens de l'époque qui ne connaissent pas l'argot des prisons et des bas-fonds de Paris, et la traduction. Alors c'est très étonnant parce que les spécialistes de l'écriture de Hugo ont regardé et il y a une petite correction qui est de la main de Hugo. Donc il y a quelque chose de vertigineux aussi, mais là je ne vais pas avoir le temps de m'arrêter longuement, dans ce document qui authentifie ou authentifierait hein, la provenance de ce manuscrit et qui, en même temps, est de cette, fait partie de cette immense réflexion que Hugo mènera jusqu'à la fin de sa vie sur les langages et sur l'argot. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a un chapitre extraordinaire dans Les Misérables, mais pas un chapitre, pardon, un livre des Misérables qui s'intitule L'argot et qui est une réflexion à la fois sur ce que sont les bas-fonds, hein, les égouts de la société, mais en même temps aussi une réflexion sur la création langagière. Parce qu'après tout, l'argot, comme la poésie, c'est une création de langage. Hein. Et la petite le petit mot que Hugo ajoute de sa main sur ce faux, évidemment, manuscrit, dit bien aussi que... les manuscrits peuvent être aussi bien de la poésie qu'une chanson en argot. Alors, si l'on lit la suite,
le condamné a commencé à écrire une nuit de sa cellule. Je vais vous donner un peu une chronologie et une topographie. Une nuit dans sa cellule à Bicêtre. À Bicêtre, il y avait une immense prison, et c'est là que maintenant il y a l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Et il a commencé par revenir en arrière 5 semaines, c'est-à-dire à revenir sur sa condamnation et cette période qui s'étale depuis sa condamnation à mort jusqu'à son exécution, sauf cas bien improbable de grâce par le roi. Donc, il revient au procès, au verdict, avec une multitude de retours à sa vie d'avant. Non pas, nous ne saurons rien sur le crime dont il est accusé. Nous ne saurons pas sa vie, sauf qu'il a une petite fille, puisqu'elle va venir, enfin, on va l'amener. On pourra deviner un certain nombre de choses. On ne saura pas de quoi il est accusé, même si... Les spécialistes du droit de l'époque disent que ça doit être de l'ordre du parricide ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, ça n'est pas dit. Il parle aussi de choses qu'il a vues à Bicêtre depuis les 5 semaines qu'il y est, en particulier le ferment des forçats, ferment F-E-2-R-E-M-E-N-T, hein, c'est-à-dire ceux qui, les condamnés au bagne, qui sont ferrés aux pieds et aux mains pour partir... pour le bagne. Ils doivent descendre donc jusqu'à Toulon, où ils vont être embarqués dans des barges pour Cayenne. Ce ferment est une scène épouvantable. Épouvantable, mais alors complètement réelle. Je vous dirai pourquoi. Alors, c'est à 6 heures du matin, parce que ce texte se présente comme rythmé par les heures. La première heure qu'il donne, c'est 6 heures du matin, il a commencé à écrire dans la nuit, à 6 heures, il apprend que l'exécution aura lieu le même jour, à 16 heures. Donc, vous voyez, à partir de là, on a une sorte d'avancée absolument implacable, 7 heures, 8 heures, c'est pas tout à fait heure par heure, mais à chaque grande étape, il dit l'heure qu'il est. Vous allez me dire, comment le sait-il? Il n'a pas sa montre. Ben oui, mais ça sonne à toutes les cloches de toutes les églises, et il y en a beaucoup à Paris à cette époque-là. Donc, il peut à chaque fois savoir où il est. À 7h30, il est transféré à la conciergerie de Paris. Alors, du Kremlin-Bicêtre à la conciergerie, il y a 10-12 kilomètres. Les heures passent. Il reçoit des visites, dont celle de sa petite fille, un prêtre. Il parle avec les gendarmes qui le gardent à vue. À 15 heures, il est transféré à l'hôtel de ville. Alors, de la conciergerie à l'hôtel de ville, et on y reviendra, il y a 300 ou 400 mètres. Sauf qu'il y a toute la foule, là, qu'il n'y avait pas de Bicêtre à la conciergerie. Et c'est à l'hôtel de ville, puisque la guillotine est sur la place de l'hôtel de ville, que l'on procède à la toilette du condamné. La préparation physique, dégager le cou, etc. Et à 16 heures, on vient le chercher, il est entraîné à l'échafaud. Cela est inscrit dans le texte. Autrement dit, il y a une sorte de resserrement. Le dernier jour d'un condamné, oui, c'est le dernier jour d'un condamné avec ce martèlement des heures qui passent et qui sont de l'ordre de l'inexorable. Bien sûr, cette journée est ouverte avec tout ce que l'on a déjà vu sur le passé. Son passé revient. Des souvenirs heureux, mais aussi des souvenirs d'angoisse et des rêves qu'il a eus, des cauchemars. Mais on le sait, c'est de l'ordre de l'inéluctable et il n'y a pas d'avenir au-delà de 16 heures. Ce dispositif est d'une efficacité absolument redoutable. Alors, si l'on regarde de plus près maintenant l'écriture, nous sommes dans une fiction, je l'ai dit, mais une fiction extrêmement réaliste. La réalité est minutieusement reconstruite, reconstituée, et je vous disais tout à l'heure, par exemple, le ferment des forçats était un spectacle public, et Hugo est allé le voir à Bicêtre. Donc, il décrit une scène, comme il en décrira beaucoup dans « Choses vues ». Je dirais que ce chapitre est une « Chose vue ». De Hugo. Petite parenthèse sur Chose vue,
qui sont des notes de ce qu'il voit dans la rue, des faits. Ce n'est pas du tout un journal intime qu'il a publié. Ça a été publié aussi en poche. Cette extraordinaire chose vue, justement, qu'est-ce qu'il capte comme fait ? Bien, le ferment des forçats est manifestement chose vue. Il a aussi visité la conciergerie pour voir très exactement où étaient les condamnés à mort avant qu'ils ne partent pour l'hôtel de ville. Bref, les lieux, il les connaît. On a un récit, j'allais dire, parfaitement canonique du point de vue des temps, présent et passé composé pour ce qui se passe. Hein, le gardien m'a dit que, et voilà ce que je sens, hein, mais aussi pour le passé, l'imparfait passé simple. On est dans un registre très simple d'écriture. Je veux dire, une fois posé cette chose énorme de la narration à la première personne, la narration est relativement classique. On a une alternance de chapitres narratifs où le condamné décrit, par exemple, quand il vient d'arriver à la conciergerie, il décrit ce qui s'est passé depuis son départ de Bicêtre, étant entendu que Hugo, à chaque fois je réfléchis parce qu'à chaque fois j'hésite entre Camus et Hugo. Alors, excusez-moi si à chaque fois il y a quelques centièmes de seconde où je cherche le nom dans l'arrière de ma tête. Veut rendre vraisemblable le fait que le condamné écrive, et évidemment dans les enjeux, vous imaginez bien que j'y reviendrai. Avant de revenir à cette vraisemblance de l'écriture, je voudrais dire que l'alternance se fait entre des chapitres narratifs et des chapitres non narratifs qui sont sur le mode de la méditation ou sur le mode du cri. Et tout à l'heure, vous en aurez un certain nombre d'exemples. Alors, comment la narration rend-elle plausible le fait qu'il écrive ? D'abord, ça veut dire qu'il est d'un certain milieu. Il sait écrire. Et c'est même chez lui un besoin. Ce n'est pas si fréquent que cela, en 1831. Au chapitre 5, « Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Hein, » au moment où il est à Bicêtre. Et puis, tout à la fin, vous allez me dire, mais quand il est à l'hôtel de ville, est-il plausible qu'il écrive ? Je me suis arrêté comme chancelant déjà du coup. J'ai une dernière déclaration à faire. Ce coup, c'est il a vu la guillotine. J'ai une dernière déclaration à faire, et je criais faiblement. On m'a monté ici. J'ai demandé qu'on me laissât écrire mes dernières volontés. Ils m'ont délié les mains, mais la corde est ici, toute prête, et le reste est en bas. Oh, l'horrible peuple, avec ses cris d'hyène. Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, si ma grâce... Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier. Point de suspension. C'est là que s'arrête l'écriture. Et efficacité incroyable, en majuscule, au milieu, 4 heures. Ce qu'évidemment, il ne peut pas écrire. D'accord ? Mais qui est d'une efficacité incroyable, puisque entre les points de suspension, il me semble qu'on monte l'escalier, et ce 4 heures, on sait ce qui s'est passé. Donc, une volonté de rendre plausible ce fait d'écrire, pour que le lecteur n'ait pas d'échappatoire, ne se dise pas, oui, bon, voilà, c'est reconstitué après coup, c'est bon. Non, il écrit. Alors, cela dit, je l'ai déjà souligné, ce personnage est fictif, on ne connaît pas son histoire. Et là aussi, c'est un choix extrêmement fort. Le lecteur n'a pas à se demander si le crime pour lequel il est exécuté méritait ou non la mort. C'est simplement quelqu'un qui a commis un crime, il ne le nie pas, et qui est condamné à mort. Et il ne dit pas, c'est injuste. Il dit, c'est horrible. Ce qui n'est pas pareil. Hein et c'est ce fameux chapitre 47 qui est manquant, et où une petite note dit, peut-être les feuilles en question ont-elles été perdues, vous savez, dans la fiction des feuillets laissés, ou peut-être que le condamné n'a pas eu le temps de l'écrire. En fait, évidemment, vous l'avez compris, c'est un choix très précis. Le condamné n'écrit pas son histoire parce que Hugo veut universaliser l'expérience. Il ne s'agit pas de dire « Oh là là,
Il y a des crimes qui méritent la mort, et puis non, il y en a d'autres, ça ne mérite pas la mort. Non. C'est, voilà ce que c'est que la peine de mort et son attente. Donc il y a ce choix de ne pas particulariser le condamné. Mais on va voir que c'est pour mieux faire ressortir le « je ». Mais le « moi » du condamné, son « moi » social, on peut deviner. Il sait écrire, il a une sorte de chemise d'assez grand prix, il a une redingote assez bien pour qu'il y ait un gendarme qui lui dise « allez, t'en auras plus besoin, donne-la-moi ». Donne-la-moi, il la lui prend. Donc on peut deviner. Ce ne sont que des indices. La narration, ou plutôt la constitution de ce personnage, est nourrie par Hugo d'éléments autobiographiques. Je vous l'ai dit, non seulement il est allé voir à Bicêtre, mais la fille du condamné a le même âge que sa propre fille à l'époque, Léopoldine. Quand il écrit « Le dernier jour d'un condamné », Léopoldine a 4 ans. Je vous l'ai lu la dernière fois. Il a ce rapport extrêmement complexe à la guillotine qu'il a vu bâtir place de l'Hôtel de Ville. Et, qui plus est, le chapitre 42 où le condamné raconte un rêve qu'il a fait, c'est un rêve que Hugo lui-même a fait. Alors, on le sait par ses carnets. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte de... pas simplement à cause du jeu, mais aussi dans la manière dont il bâtit le personnage, il y a une sorte de proximité très grande que Hugo veut construire avec ce personnage. Vous comprenez bien l'enjeu, c'est j'aurais pu être cet homme-là. On n'est jamais à l'abri d'un crime. On ne sait pas. En tout cas, le condamné n'a pas l'air d'être quelqu'un de complètement mal dans sa tête, monstrueux. Ça a l'air d'être un homme tout à fait comme d'autres. Et le fait que son créateur lui prête de ses propres traits ajoute à cette proximité. Nous avons donc ici le cri d'un homme qui va mourir, doublé d'une observation minutieuse. Et là encore, et excusez-moi de parler d'efficacité, mais dans un texte comme celui-là, c'est le mot qu'il me paraît évident d'utiliser. Hugo a recherché cette efficacité textuelle, stylistique. Le fait qu'on a à la fois ce cri, et je vais vous le faire entendre, et en même temps cette observation extrêmement minutieuse ce qui se passe, j'allais presque dire des rituels de la prison, du transfert et de la préparation de l'exécution, tout cela sans aucun discours de l'auteur contre la peine de mort. L'auteur ne prend jamais la parole, n'intervient pas dans le récit. De bout en bout, c'est « je ». Mais j'allais dire, c'est inutile qu'il intervienne dans le récit, ou plutôt, quand il aura envie d'intervenir sur cette affaire, eh bien, il décrira la grande préface ou la seconde partie de Claude Gueux. Autrement dit, c'est un texte qui a en lui-même sa propre puissance, sa propre efficacité. On montre, mais on ne démontre pas. Et c'est extraordinaire. Avec la première personne et le resserrement spatio-temporel, le lecteur n'a pas d'échappatoire. Il est contraint. Encore une fois, je reprends l'image de la main de fer. Sur ce point de vue du condamné, il est contraint de mener avec lui, qu'il le veuille ou non, sauf à fermer le livre, l'expérience limite d'une mort-vie. D'une vie qui n'est plus une vie, mais déjà une mort. Et là, on entre dans ce qui fera l'essentiel de mon propos, c'est-à-dire les enjeux du récit. En fait, ce que veut faire Hugo, vous l'avez déjà compris, c'est de faire qu'une disposition légale, à savoir un tribunal a le droit de condamner à mort, en faire une expérience humaine. C'est-à-dire montrer l'expérience qu'il y a derrière cette disposition légale. Alors, il y a d'abord le fait que c'est une torture mentale, et puis ensuite, je pense, une obligation de penser, pour nous, de réfléchir à ce qu'est l'humain et l'inhumain. Alors d'abord, la torture mentale. Cette obsession que vous avez déjà vue dans les premières lignes, je prends un autre passage du premier chapitre.
Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chasse sans toute distraction, face à face avec moi. Et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillée, épie mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je vous l'ai dit dans cette partie sur les enjeux, je vais vous faire entendre beaucoup le texte pour vous donner aussi envie d'y retourner par vous-même. Et il y a une analyse extrêmement fine du fait qu'il n'y a aucune échappatoire, pas seulement parce qu'il sait que la condamnation est inéluctable, que l'exécution est inéluctable, mais aussi parce que, vous allez le voir, il y a une sorte de personnification de la prison. Là encore, c'est un peu long, mais vous savez, des développements de Hugo, on peut pas, on n'arrive pas à les couper. Ce bon geôlier, avec son sourire bénin, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne, ses grosses et larges mains, c'est la prison incarnée, c'est Bicêtre qui s'est fait homme. Tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes les formes, sous la forme humaine comme sous la forme de grille ou de verrou. Ce mur, c'est de la prison en pierre. Cette porte, c'est de la prison en bois. Ces guichetiers, c'est de la prison en chair et en os. La prison est une espèce d'être horrible, complet, indivisible, moitié maison, moitié homme. Je suis sa proie. Elle me couve, elle m'enlace de tous ses replis. Elle m'enferme dans ses murailles de granit, me cadenasse sous ses ferrures de fer et me surveille avec ses yeux de geôlier. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement du temps en attendant la mort, c'est déjà une expérience mentale, physique, psychique de l'enfermement et, vous allez le voir, de l'inéluctable. Avec, évidemment, la tentative insensée de se représenter ce que c'est que la guillotine. L'objet et la sensation. C'est-à-dire de se représenter l'irreprésentable. Et c'est bien de ça qu'il s'agit dans tout le texte, mais plus particulièrement à certains moments, puisque ce que fait ici Hugo, c'est essayer de représenter l'irreprésentable, mais à l'intérieur de cela, il y a ces moments où le condamné essaie de se représenter l'irreprésentable et évidemment ne peut pas y arriver, mais tourne autour. Encore si je savais comment cela est fait et de quelle façon on meurt là-dessus. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose est effroyable. Et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces 10 lettres, leur aspect, leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. Et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. L'image que j'y attache à ce mot hideux est vague, indéterminée et d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Vous voyez, quand on ne peut pas se représenter, et il le tente quand même, il y a le mot. Comme si le mot contenait la chose. L'allusion au docteur, c'est le docteur Guillotin qui a inventé la guillotine. Et présenté, je vous le rappelle, à la Convention comme la constituante. En 1791, comme un moyen plus doux de mettre à mort. Mais vous voyez, le travail autour du mot, autour des syllabes, sauf que ce travail n'est pas plus productif. On est dans absolument l'irreprésentable. Mais l'essentiel, je crois, des enjeux, cela, j'allais presque dire, c'est ce qu'on attendait, mais il me semble que le dernier jour d'un condamné va plus loin et nous force à réfléchir à ce que c'est que l'humain et ce que c'est que l'inhumain et où est l'inhumain et l'humain. On a en fait, au fil des chapitres, un homme qui est face à une mécanique inhumaine. Inhumaine non pas parce qu'il y aurait des tortures directes, comme il dit, qu'est-ce qu'ils sont polis avec moi, et même quand il est arrivé à la conciergerie, ils sont presque doux.
avec ce passage extraordinaire au moment où il lui coupe les cheveux pour que Guillaume passe mieux. Il a un sursaut, il dit « Je vous ai fait mal, pardon !» Et c'est de l'ordre de l'horrible. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans de on n'est pas dans des gardes-chiourmes. Hein, et pourtant, la mécanique face à laquelle le condamné fait face, c'est une mécanique totalement inhumaine. Il y a, je le disais, donc ces gens qui sont doux et polis, il y a aussi les indifférents et les inconscients. Au chapitre 32, il faudrait le lire en entier, c'est presque drôle, mais c'est sinistre. Il y a le gendarme, le brave gendarme, qui dit, vous savez, quand il y a quelqu'un qui est assassiné, qui meurt de mort violente, il peut revenir et puis dire le numéro qui va sortir à la loterie. Alors, monsieur le condamné, vous allez bien me dire le numéro de la loterie. Et puis, d'un seul coup, il dit, mais c'est vrai, vous n'êtes pas encore mort, alors vous ne pouvez pas me dire. Enfin, bon, c'est absolument sinistre, mais... ce n'est que le point extrême et comique d'une sorte de d'inconscience. Chacun fait son travail, le gendarme, le coiffeur, etc. Le condamné est sensible aux quelques signes de vraie bonté, un gendarme, le prêtre, mais il reçoit, du coup, de plein fouet le sadisme de la foule. Les derniers chapitres, c'est longuement le trajet donc, qui mène de la conciergerie à l'hôtel de ville que le condamné doit effectuer dans une charrette ouverte et avec simplement un prêtre à côté de lui. Hein, ouverte, et la foule se presse sur le passage, on loue les fenêtres pour être bien placées, on commente, on crie, on invective... et c'est cela que le condamné doit traverser avant d'arriver à la place de l'hôtel de ville. Quelques passages de ce chapitre 48. Oui, il y en a 49 en tout, c'est l'avant-dernier. Nous avons pris le fatal quai. Je commençais à ne plus voir, à ne plus entendre. Toutes ces voix, toutes ces têtes aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes, ces spectateurs avides et cruels, cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne, cette route pavée et murée de visages humains. J'étais ivre, stupide, insensé. Dans le tumulte qui m'enveloppait, je ne distinguais plus les cris de pitié, des cris de joie, les rires des plaintes, les voix du bruit. Tout cela était une rumeur qui résonnait dans ma tête comme dans un écho de cuivre. Là, il y a un moment de violence extrême, alors qu'avant, la violence était feutrée dans les espèces de rituels de la prison. Et ici, c'est une violence directe, mais les deux sont de face d'une inhumanité pour le condamné. En fait, ce dont le condamné prend conscience, c'est qu'il est un mort-vivant. Mais que ce mort-vivant est à la pointe extrême de sa conscience, hein, contrairement, par exemple, à quelqu'un qui est en fin de vie pour maladie et qui n'a pas forcément cette conscience, là, le condamné prend une conscience aiguë de lui-même, de ce « je ». Le « moi » est annulé, il n'a plus d'identité sociale, mais le « je » est au maximum de la conscience de lui-même au moment où il va être annulé. Et c'est vers le milieu, au chapitre 26, qu'on a un passage étonnant que je vais vous lire encore, même s'il est un peu long, parce qu'il y a ce, à mon avis, c'est le moment le plus net de cette conscience aiguë d'exister, d'être un sujet, hein, pas simplement un moi, un sujet, je, au moment où ce je va être annulé. Oh, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour ? Est-il bien vrai que c'est moi ? Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leur caserne, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi ? C'est moi qui vais mourir ? Moi ? Le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table et pourrait aussi bien être ailleurs ? Moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens et dont le vêtement fait les plis que voilà ? Vous voyez le cri, hein ? Le cri de celui qui dit « mais ça n'est pas possible que l'on m'annule dans quelques heures ».
Et c'est là qu'à mon avis, le fait d'écrire est capital. Il écrit pour dire cela, ce « je ». Pas simplement pour dire « je », mais pour dire ce « je » à l'extrême de sa conscience, au moment où il va être annulé. Et vous voyez bien que nous sommes ici à l'extrême de l'humain, puisque c'est tout simplement quelqu'un qui dit « je existe » et « je sais que je n'existerai plus ». Voilà. On est devant l'humain tout nu. Tout nu, l'humain. C'est-à-dire le fait de pouvoir dire « je ». Et écrire en disant « je » va être la manière de se prouver qu'il existe encore, mais aussi prouver qu'il a existé. Et on va voir qu'il trouve un équivalent à son écriture de papier dans une autre écriture. Mais d'abord, le moment où il décide qu'il va écrire, on est au chapitre 6. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde ? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit ? Pourquoi non ? Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie ? Cette idée fixe qui me possède, ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée, à mesure que le terme approche ? Pourquoi n'essaierais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violente et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà. Écrire, c'est se dire quelque chose à soi-même. Autrement dit, c'est être face à soi. Vous voyez qu'on n'est pas ici face à un condamné qui va chercher à oublier, à s'étourdir. Vous savez, le fameux vers de Rome qui était censé faire oublier tout petit peu au condamné à mort ce qu'il allait éprouver. Ici, il s'agit de dire. Pourquoi n'essaierais-je pas de me dire à moi-même, hein? Et vous voyez que là encore, il s'agit de doubler le « je » dans cette écriture. Hein? « Je dis « je » à moi-même », l'écriture étant donc un doublement de l'expérience de soi. Hein? Et, comme par hasard, c'est ce que dans la cellule de Bicêtre, où il a eu le temps, d'autres condamnés ont fait avant lui, puisque c'était la cellule des condamnés à mort, mais eux n'avaient pas demandé du papier, des crayons, parce qu'ils ne savaient pas écrire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dessiné sur les murs. Et c'est au chapitre 11, un passage très, très extraordinaire. « Je me suis levé, il est la nuit dans sa cellule de condamnés à mort, donc à Bicêtre. Je me suis levé et j'ai promené ma lampe sur les quatre murs de ma cellule. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. Il semble que chaque condamné ait voulu laisser trace, ici du moins. C'est du crayon, de la craie, du charbon, des lettres noires, blanches, grises, souvent de profondes entailles dans la pierre, ça et là des caractères rouillés qu'on dirait écrits avec du sang. Certes, si j'avais l'esprit plus libre, je prendrais intérêt à ce livre étrange qui se développe page à page à mes yeux sur chaque pierre de ce cachot. J'aimerais à recomposer un tout de ces fragments de pensées épars sur la dalle, à retrouver chaque homme sous chaque nom, à rendre le sens et la vie à ces inscriptions mutilées, à ces phrases démembrées, à ces mots tronqués, corps sans tête, comme ceux qui les ont écrits. Je trouve ce passage étonnant. Hein. On va s'y arrêter quelques minutes. Vous voyez, c'est une écriture complètement fruste. Il y a, ça n'est pas du discours, c'est des noms et encore des noms qui ont été à moitié effacés par d'autres dessus, des dessins. Mais vous voyez que pour lui, il y a presque un devoir d'essayer de redonner une présence à chacun de ces noms, rendre le sens et la vie à ces inscriptions mutilées. Et il a utilisé la métaphore du livre « Je prendrai intérêt à ce livre étrange qui se développe page à page à mes yeux
sur chaque pierre de ce cachot. Autrement dit, l'écriture, aussi primaire, simpliste qu'elle soit, et même si elle se réduit à des dessins et des figures bizarres ou simplement à un nom, écrire, surtout écrire son nom, c'est dire « j'existe ». J'existe, j'étais là, et ça fait un livre. Un livre, ce n'est pas simplement des belles phrases, c'est aussi ce que l'on déchiffre dans ce genre de surface étonnante. Donc, au-delà de ce condamné-là, on voit que tous les hommes qui sont passés là voulaient écrire pour exister. Vous voyez qu'on est déjà loin, mais ce n'est pas fini, dans cet enjeu de méditation sur l'humain, l'inhumain. Parce que ces hommes, qui devaient être, alors pour le coup, des assassins, des criminels peut-être épouvantables, il y a ce moment où il fallait qu'ils laissent une trace disant « je, moi, je suis un homme ». L'écriture comme moyen de dire l'humain. Déjà, dans ces écritures, encore une fois, aussi sommaire soit-elle, mais aussi l'écriture plus élaborée, qui est celle que l'on a sous les yeux, l'écriture, c'est cela, c'est dire l'humain. Et alors, il y a ce fameux chapitre 40, dont je vous ai dit, que Hugo l'a ajouté à la fin. Ce chapitre 40 est tout à fait étonnant, parce qu'il est une réflexion sur le roi qui pourrait faire grâce au condamné. Alors, bien sûr, vous savez, il pourrait me faire grâce. Vous allez voir ce qui se passe ici, et je voudrais, avant de le commenter, vous le lire tel quel. Parce qu'il me semble que nous sommes encore, et peut-être plus encore que dans le reste, dans cette méditation sur l'humain et l'inhumain. Je lis. Il est singulier que je pense sans cesse au roi. J'ai beau faire, beau secouer la tête, j'ai une voix dans l'oreille qui me dit toujours. Il y a dans cette même ville, à cette même heure, et pas bien loin d'ici, dans un autre palais, un homme qui a aussi des gardes à toutes ses portes. Un homme unique, comme toi, dans le peuple. Avec cette différence qu'il est aussi haut que tu es bas. Sa vie entière, minute par minute, n'est que gloire, grandeur, délice, enivrement. Tout est autour de lui, amour, respect, vénération. Je saute un peu. Eh bien, cet homme est de chair et d'os, comme toi. Et pour qu'à l'instant même, l'horrible échafaud s'écroula, pour que tout te fût rendu, vie, liberté, fortune, famille, il suffirait qu'il écrivit avec cette plume les 7 lettres de son nom au bas d'un morceau de papier, ou que même son carrosse rencontra ta charrette. Et il est bon. Et il ne demanderait pas mieux, peut-être. Et il n'en sera rien. Alors, ce chapitre étonnant, bien sûr, hein, je ne nie pas, c'est l'homme qui pourra me faire grâce. Mais vous voyez que ça va plus loin. Hein. Il y a cette espèce d'équivalence établie entre le roi et le condamné à mort. C'est-à-dire entre les deux êtres qui sont hors de l'humanité moyenne. Je rappelle qu'en 1829, le roi de France est encore monarque de droit divin, sacré par Dieu. Donc il est en dehors de l'humanité moyenne. Il est en dehors de l'humanité. Il est divin. Et le condamné qui a été mis en dehors et va être complètement annulé, j'allais dire, est à l'autre bout de cette chaîne d'exclusion. Et il établit ce parallèle étonnant, j'allais presque dire iconoclaste, hein, que Hugo rajoute à la dernière minute, le « comme toi », un homme unique comme toi dans le peuple. Lui et moi, on est uniques. Lui parce qu'il est le roi, moi parce que je suis condamné à mort. Et alors, vous avez peut-être vu aussi qu'il suffirait qu'il écrivit avec cette plume les 7 lettres de son nom au bas d'un morceau de papier. C'est-à-dire qu'il fasse très exactement la même chose que ce que le condamné est en train de faire. C'est-à-dire d'émettre une parole et de dire « je ». Et voilà. Sauf que cela ne se fera pas. Alors, on est ici dans un renversement de perspective absolument vertigineux et, encore une fois,
dangereux. On n'est pas très loin quand même du crime de lèse-majesté. Mais à ce moment-là, Hugo est au plus mal avec Charles X qui est en train de lui, interdire un certain nombre de ses pièces. Et il ne l'a pas ménagé dans une pièce qu'il fait jouer à peu près en même temps et qui s'appelle « Le roi s'amuse ». Alors bien sûr, c'est François Ier. Personne ne dit que Charles X fait les frasques de François Ier. Il en est bien incapable. Mais il n'empêche que la personne royale en prend un coup. Mais ici, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de s'en prendre à la personne royale. Simplement, Hugo ne prend pas de gants avec cette personne royale. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est cette réflexion sur on est en dehors de l'humanité. Et entre deux, eh bien, il y a l'humanité moyenne. Eh bien oui, mais peut-être bien que l'humain est dans ses marges, ce roi qui peut-être bien ne serait prêt à faire grâce, mais cela ne se fera pas. Vous voyez que ce n'est pas « il ne le fera pas », cela ne se fera pas. Mais le roi en tant que tel, avec les 7 lettres de son nom, serait prêt à le faire. Ou du moins, c'est ce que se dit le condamné. Comme si, encore une fois, l'humain était là, dans ces deux extrêmes. Hein, et pour le lecteur, c'est bien ce que Hugo veut faire, nous dire que l'humain est du côté du jeu du condamné. Et le condamné dit, oui, mais il y a un autre homme là-bas. Et entre les deux, eh ben, toutes les possibilités d'inhumanité que les hommes sont capables d'inventer. Ça ne veut pas dire que tout le monde est monstrueux. Encore une fois, non. À part cette foule, la foule, elle est monstrueuse, elle est sadique, elle est violente, mais c'est une foule. Mais les individus qui apparaissent, bon, il y en a des stupides, celui-là qui veut les chiffres du loto, non, de la loterie, mais, pareil, mais il n'empêche que ce qui est suggéré par ce chapitre étonnant, c'est qu'il y a à l'intérieur de l'humanité moyenne, toutes les virtualités de l'inhumain qui sont là. Encore une fois, quand il fait dire au condamné, il y a un homme là-bas, le roi, il ne dit pas que Charles X brille par ses qualités d'humanité, voyez. Mais c'est une sorte de réflexion, j'allais presque dire, au-delà des statuts sociaux, une réflexion sur les positions où l'on est en dehors de l'humanité. Le roi, la royauté en est une, la condamnation à mort en est une autre. Et là, il peut se jouer de l'humain, j'allais presque dire à l'état pur. Hein. Sauf que ça ne se fera pas. L'un va être annulé et l'autre n'aura pas mis les 7 lettres de son nom au bas d'un papier, d'un morceau de papier, ce qui est étonnant. Alors, l'efficacité. Évidemment, le condamné se pose la question de cette efficacité. Il pense que c'est inutile. Il dit, mais qui donc ? Vous savez, il y a ce moment où il dit, j'écris pour moi, puis il y a un autre moment où il dit, bah oui, mais peut-être comme ça qu'il y a des gens qui réfléchiront à deux fois. Puis il se dit, c'est pas possible. Ces papiers, ils vont être éliminés, ils vont être jetés, ça ne va servir à rien. Et donc, Hugo tient à inscrire l'inutilité de ce livre dans le texte lui-même. Et pourtant, il le sait, il est en train de faire quelque chose d'une efficacité redoutable. Hugo sait quand il fait des bonnes choses et quand il en fait de moins bonnes. Hein. Non seulement il sait, je crois, que ça peut avoir un impact énorme sur la réflexion sur la peine de mort, et c'est pour cela qu'il déploiera cette dimension-là en 1832, mais il sait aussi qu'il vient de faire quelque chose qui est d'un autre ordre et qui est du domaine de la création, la démonstration de la puissance des mots. Avec les mots, on peut faire exister une expérience que, allez, tous, nous ne connaîtrons jamais. Et c'est bien ça aussi la littérature. C'est faire exister une expérience qui est celle de quelques êtres humains. Alors on verra, Camus va aller du côté, oui, mais nous sommes tous condamnés à mort, ce que Hugo ne fait pas vraiment. Mais en tout cas, il dit, ça fait partie de l'expérience humaine, puisque
c'est l'expérience de quelques êtres humains, et les mots doivent être capables de faire exister cette expérience. Ça peut être celle-là, ça peut être d'autres. Et il me semble que celui qui, à 24 ans, décide d'écrire ce livre, le fait soit pour se prouver la puissance des mots, soit je pense qu'il le sait déjà à quel point les mots peuvent être puissants pour dire l'expérience humaine, et donc pour poser définitivement à la fois cette puissance des mots et cette puissance du je, puisque le je est au centre finalement de toute écriture, et que ce soit l'écriture poétique, l'écriture théâtrale, l'écriture romanesque ou une autre, toute écriture est fondamentalement sur le jeu. Et je vais donc conclure à nouveau sur ce jeu, parce qu'on va le retrouver bien sûr avec Meursault. Ce jeu est en situation extrême et en même temps, vous l'avez compris, en situation d'altérité absolue. C'est un jeu, je le répète, d'une expérience que nous ne connaîtrons pas. Et je n'ai pas encore parlé de cet aspect-là. Cette altérité, et Camus fera la même chose, est inscrite dans le texte. Au moment où le condamné est à l'hôtel de ville, il voit quelqu'un qui assiste à cette cérémonie de la toilette du condamné et qui demande à un gendarme comment ça s'appelle, ce qui se passe là. Et le gendarme lui répond, la toilette du condamné. Et le condamné commente, ça sera demain dans les journaux. Alors, pourquoi ? Et on retrouvera aussi un journaliste au procès de Meursault. Hein. C'est une manière d'indiquer qu'il peut y avoir aussi ce regard extérieur, même si c'est un regard, comment dire, plus, qui essaye d'aller plus loin. Qu'est-ce que c'est qui est en train de se passer ? Mais qui va se contenter quand même d'une étiquette, la toilette du condamné, c'est-à-dire rester dans l'altérité absolue, il y a lui et il y a moi. Et moi, j'écris, c'est la toilette du condamné et je le mets demain dans mon journal. Et il ne n'essaie pas, ne veut pas, ne peut pas, alors que son métier est aussi d'écrire, mais écrire autrement, entrer dans l'expérience. Il reste dans cette altérité à laquelle Hugo veut nous arracher, hein, et pour nous contraindre à ne pas rester à l'extérieur. Mais tout en disant, oui, c'est une expérience que l'on peut essayer de mettre dans des mots, mais que l'on ne connaîtra jamais de l'intérieur. Et en même temps, et c'est là, je crois, le principe d'une grande œuvre, il élargit le jeu à une dimension universelle. Si l'on va au bout d'une expérience humaine aussi limite, c'est qu'on rejoint l'exception et l'expérience universelle de la mort. Donc, il me semble que le premier, première version du dernier jour d'un condamné sans tout cet appareil qu'il vient ensuite, bien sûr, c'est en soi une démonstration sur l'atrocité de la peine de mort, mais c'est aussi un défi d'écriture. Et il me semble que Hugo, et je dirais la même chose pour Camus la semaine prochaine, non, dans 15 jours, il s'agissait bien de se légitimer en tant qu'écrivain, c'est-à-dire de dire « je n'ai le droit d'écrire », et donc fondamentalement de dire « je », que si j'ai donné la plus grande amplitude possible au « je », et écrire le dernier jour d'un condamné fait partie de cette entreprise de légitimation. Je vous remercie. Thank you.